Ouais, Jeff. Quoi? Attends, quoi? Un mois? Tu te rends compte de ce que ça fait un mois? Attends, non, non, non. Tu peux pas te pointer comme une fleur comme ça et me dire que j'ai un mois pour trouver une trame, une histoire et planter une intrigue. Je sais que t'as des impératifs financiers, mais moi aussi j'en ai, crois-moi. Tu peux pas te pointer comme une fleur là et me dire que tu vas me couper mon salaire en me laissant un mois, 30 jours, quoi, pour écrire un putain de bouquin. Tu déconnes, Jeff. Jamais en 30 jours j'arriverai à te pondre un truc vendable. Il m'a raccroché au nez. Il m'a raccroché au nez. Allez, putain, Manu là! Pouah, j'ai fait ça des milliers de fois. C'est pas Jeff avec son vieil ultimatum là qui va me mettre la pression et me prendre mon imagination. Il me faut un début là. Bon petit début bateau. Allez. Il faudrait un personnage. Par où commencer? Un personnage charismatique. Mais pas trop. Un jeune homme, tiens. Ouais, un mec, genre. Je sais pas moi. 16-17 ans. Moi, ouais, c'est bien ça. 16-17 ans. Grand, fin. Cheveux bruns. Les yeux clairs. Un tombeur de ces dames, mais pas un mec snob. Genre. Un beau gosse. Mais pas non plus hautain. Moi non, je donnerai un nom plus tard. Pour le moment, je garde ça. Ah, yes! Un jeune, ça sera ça mon départ. Allez, je tiens le bon bout là. Donc, notre jeune. Et sur la place de son village, un jour d'été. Il déambule lentement, mais quand même d'un pas déterminé. Et là, il y a un autre mec qui s'approche de lui. Et bam! Il lui rentre dedans. Et là, notre jeune lui fait... Oh, qu'est-ce que tu fais là? La route elle est pas assez large pour toi? Et là, l'autre gars le regarde, violent, le toise du regard, et lui fait... Oh, je le con, je t'explose la tronche. C'est nul, c'est cliché, putain. Allez, on efface, on reprend tout depuis le début, là. Notre jeune homme, et là, dans la place de son village, il déambule d'un pas lent mais déterminé. Et il va où, en fait? Il est perdu, hein. Il est perdu ce mec. Ah, c'est ça, il est perdu. Et il est sorti prendre l'air pour changer les idées. C'est bon ça, c'est bon ça. Il est sorti pour se changer les idées. Il est arrivé un truc pas cool. Il veut oublier. Il a rompu avec sa copine. Et là, il prend son téléphone. Et il la rappelle pour s'excuser. Il lui fait... Allô bébé, c'est moi. On peut pas en rester là, une histoire ça s'oublie pas aussi vite, les sentiments non plus. Moi en tout cas, je ne veux pas croire que c'est fini, je suis bien avec toi. Je peux te rendre heureuse, arrêtons de remettre en question notre relation, vivons-la à fond tout simplement. Écoute, j'ai pas envie qu'on gâche tout. Moi je suis... Faut qu'on mette les choses au clair. Quant à mon message, tu me rappelles. Oh là là, putain, putain, putain. C'est nul à chier, on dirait un film de Bucelle à l'eau de rose. J'y arriverai pas. J'ai pas d'inspi là. Je vais faire une pause, je pense. Genre 10 minutes. Histoire de laisser tout ça décanter, genre revenir en forme. J'ai bien mérité une pause là. Donc, pas de copine, c'est nul. Mec qui bouscule, c'est nul aussi.
Moi, on est un jeune homme. Il me saoule aussi, là, Jeff, à me demander d'écrire une vieille histoire, là, en 30 jours. Il se rend pas compte, j'y arriverai jamais, j'ai pas l'inspiration, et puis j'ai pas envie, surtout, là. Il coupera mon salaire, hein. Tant qu'à faire, j'arrive sous un pont. Mais voilà! Voilà, pap, un jeune homme, c'est nul. Un bohème, c'est mieux. Ouais, vivre sous un pont, ça, c'est un bon point de départ. Un mec, il est perdu. Il est perdu, et pour cause. Il a nulle part où aller. Plus de jeune homme, on oublie. Pas de copine, pas de mec qui le bouscule. Pas de passé ni d'avenir, juste un présent. Un bohème, c'est bien ça. Un bohème. Donc, par où commencer? Il sait pas vraiment où aller. Comme moi d'ailleurs, je sais pas trop par où commencer, et lui non plus dans sa vie. Il a pas encore l'attirail du tireur de route. Ça, on s'en fout, il l'achètera sur le chemin. Où il va? Bonne question ça, où il va? Où je pourrais le faire aller? Si j'étais moi-même un bohème, quête de liberté, où c'est que j'irais? La mer. La mer, ça me semble être pas mal, ouais. Donc, ouais, on part sur ça. Donc c'est un bohème. Il veut de la liberté, il a plaqué sa vie sur un coup de tête. Et il va faire une critique. Je vais faire une critique de la société au travers de ses yeux, et il part vers la mer. Il arrive face à une grande jetée, plein de cailloux, et bien sûr avec la mer. Et sur un caillou comme ça, il se met les bras tendus et il fait... L'argent n'apportera jamais rien d'aussi beau que la beauté d'un paysage. Non, en fait, ça veut rien dire. Complètement rien dire, Manu, tu débloques. Complètement, c'est nul. Allez, on reprend. Il se met les bras tendus et il fait... L'argent n'aura jamais autant de force que la nature. Ouais. Je sais pas. C'est un peu cliché quand même. Il se met les bras tendus et il fait... L'argent, c'est de la merde. Oh putain... Non, c'est pas bon, il faut que je recommence. Il me faut un truc plus intimiste, plus réel, plus frappant. Un truc à la Into the Wild. Donc notre bohème arrive devant la jetée, il y a un muret, il l'enjambe. Et là, il sort un bout de papier. Ça me semble bien, un bout de papier. Et là, sur le bout de papier, il écrit. Et il dit à Rhodes qu'il écrit d'ailleurs. Mais il écrit à qui? Qui pourrait écrire? Il écrit à sa famille. Ouais. Et il écrit tout ce qu'il a sur le cœur. En disant tout ce qu'il pense. Papa, maman. Merci pour votre éducation et l'amour que vous m'avez porté durant toutes ces années. Mais la société actuelle ne me convient pas. Je préfère m'en détacher et rester seul que d'être corrompu par l'argent qui vous corrompt vous aussi. Votre fils qui vous aime. Puis après, il roule le papier. Il le met dans une bouteille. Bouche la bouteille et la jette à la mer.
Ça me semble bien, de toute façon, je suis fatigué. Donc on va garder ça. Ce sera un bon point. Bon point de reprise de la bouteille. Allez. Allez, extinction des feux, tant pour lui que pour moi. La suite demain. Ici, hein, je suis pas venu par infraction, je me suis. J'étais juste sur votre lit là-bas. Non, je voulais. Enfin, j'étais peut-être bourré hier. Panne sèche, putain, il y a eu la copine. Ça a pas marché. Le mec qui bouscule. Ça a pas marché. Mais là, avec cette histoire de bohème là, il y allait avoir une suite. Je vais avoir l'inspiration. Et cette bouteille à la mer, plus j'y repense. Et plus elle me semble cliché. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Il me faut une suite. Qu'est-ce que vous venez de dire? Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? Il me faut une suite. Est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît? L'inspiration, ça s'invente pas. J'y arriverai jamais à l'écrire la suite de cette histoire. Je verrai jamais le livre, je serai jamais dans les temps. Est-ce que c'était un rêve? Ce qu'a dit cet homme, c'était troublant. Je sais plus. C'est le destin qui veut ça. Faut s'en remettre au destin. En tout cas, une chose est sûre. Et si nous n'étions qu'en fait des pantins de la vie.